Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 août 2024 où nous venons encore auprès de vous pour un nouveau numéro que vous allez vraiment, je crois, aimer parce que ici nous allons sortir d'un peu, nous allons faire une analyse sur la situation ou porter notre réflexion sur une situation qui se passe en République démocratique du Congo vers la région du Katanga au sud. Et cette même problème, c'est le même problème qui se passe exactement dans les autres provinces parce que ça concerne nos frontières. Il y a eu 3 jours où on avait, un incident où la République du Zambie, le Zambie, a jugé bon de fermer ses frontières et donc le ministre le ministre Julien Paluku se précipitait pour aller un peu négocier, renégocier encore pour que la situation rentre à la normale. Et ici, nous allons prendre justement à cette situation, nous allons un peu l'analyser et voir ce qui se passe et voir comment est-ce que nos frontières, comment est-ce que le Congo est fragile. Ce n'est pas simplement les guerres qui nous tracassent, c'est aussi comme la situation en interne, comme je vous ai toujours dit que la situation en interne est vraiment préoccupante en République démocratique du Congo, où il faut absolument résoudre ce problème-là au niveau de l'interne pour que nous puissions retrouver le chemin du développement. Donc, c'est dans les commerces où ça ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui font à ce que les gens ne puissent pas être en harmonie, les pays voisins. Nous ne vivons pas en harmonie avec nos pays voisins. Quel est le réel problème? D'où vient le problème? Vient-il vraiment de ce pays-là qui veulent nous laisser en paix? Est-ce que c'est un problème en interne en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est la gestion de notre pays? Toutes ces questions-là, nous allons les élucider au courant de cette émission d'aujourd'hui. Et j'espère que vous qui n'êtes pas encore abonné, vous allez le faire. Ça, c'est une demande que je vous fais pour que vous puissiez partager aussi l'émission. Partager et puis laisser des commentaires, surtout si vous avez aimé cette émission. Alors, comme toutes les émissions, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît sur Internet. Et les 5 journaux que nous avons choisis, nous pensons et nous sommes sûrs qu'elles vous apportent de la bonne information. Donc, allons sur la lecture des grands titres. Si ça vous intéresse, allez les lire là-bas et avoir beaucoup de détails. Nous revenons donc juste après cette lecture de ces grandes lignes. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Sénat, l'échec de Salomon Kalonda, mal digéré par son camp politique. Les États-Unis étrient Israël tout en approuvant la vente de 20 milliards de dollars d'armement. Et puis Nord Kivu, encore un civil tué par balle à Goma. On va sur actualité.cd, RDC Kwango, au moins 5 personnes tuées en une dizaine de femmes détenues par des miliciens Mobondo au secteur Lonzo. RDC, le site de placé de guerre M23 dévasté par un incendie à Calais. Opla, occupé par l'interpellation et la détention d'un journaliste à Kinshasa. On va sur Congo profond. Trophée Bravo X13, l'abbé Léonard Santé dit primé vaillant africain pour l'éducation. Le village touristique, une révolution économique au cœur de la RDC. Et puis spoliation d'une partie du stade de martyr Serge Tchembokonde parle d'une mise en location avec comme bailleur la gestion du stade.
7 sur 7, année scolaire 2024-2025, le gouvernement interdit le paiement de frais en monnaie étrangère. Et puis, RDC Modero Simba a signé en résidence surveillée. Et puis, RDC début de la paix de militaires du mois d'août. On termine par Radio Okapi. Julien Paluku et le FEC échangent à Lubumbashi sur la sauvegarde de la production nationale. Bureau définitif du Sénat, le député Zuma déplore l'absence de l'espace Grand Oriental Nord Kivu. Le chef de secteur affirme faire face au manque de moyens et à l'insécurité. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc merci en tout cas d'être branchés, surtout. Merci de votre confiance. Je suis très, très, très ravi que vous êtes vraiment là lorsque nous émettons une émission. Nous voyons comment les commentaires pleuvent dans nos téléphones. En tout cas, j'en suis ravi. Et cela prouve que nous ne sommes pas en train de prêcher dans le désert. Notre proposition sur notre tranche, cette magazine, c'est la rétrocession, mes chers amis, du pouvoir au niveau de la base. Je continue à insister pourquoi sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Parce que le sujet que nous allons aborder ici aujourd'hui va encore montrer comment est-ce que nous dépendons, comment est-ce que Bapayanabiso Bazako Betabiso Bibotu Nandenge Mokwa Kosakanate. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à nous contrôler nous-mêmes. À un certain moment, vers les années passées, donc dans les années antérieures, lorsque nous grandissions, nos parents chez nous à Butembo nous avaient dit que ba grec na ba indo-pakistanais ba kota kunate, ils n'ont pas pu percer notre marché à Butembo. C'est-à-dire que na côté na biso akoya grand nord kuna okokuta jamais ba magasin ba libanais. C'est peut-être pour l'instant mikolo yo tango tokomi na ba parti etande ba biloko na komi, mais kala ezala kite ba batwa na ba kuka kite. Nous entendions tellement que ba banande nyoso soki oye ko fungola boutique na yo bien magasin na yo kuna ba konsombe la yote. Et donc le Nande était avait une certaine cohésion avec na ba message bandai kota la ba inde pakistanais ba kokakate. Ils n'ont pas pu percer le marché chez nous. Pourquoi? Parce que le peuple se comprenait ba tozala ki na modèle moko oto bandai koso ko vivre nango na ko conduire commerce na biso. Donc ça, c'était un secret entre le Banande et que tout le monde qui venait, les Grecs qui venaient, ils ne pouvaient pas tenir. Bazareka Kokanga, et puis ils se disaient que non, Batouana, tout ça, tout ça. Ça, c'est la politique du protectionnisme, il y a économie en Boka. Alors, si aujourd'hui le Congo est à la merci de tout, voilà ce qui se passe. Ndenge Makambo et Komiko Salem. Awa naza koloba na ebi na banzi ke botanga ki na titre Zambie ezozwa dam. La Zambie se permet de fermer les frontières et c'est nous qui plairons. Congo nde mute komi ko kolela. Pourquoi Congo komi kolela? Parce que Zambie kangi frontière pour nani? Parce que la Zambie ayebi ke Congo ezali marché et donc si la Zambie ferme ses frontières, c'est nous qui vont pleurer. Biso soki to kangi frontière na biso te et que ça là est comme au côté na Zambie. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre un peu les explications de notre ministre oya kendaki ko fungola ba banani ba frontière kuna oya kendaki ko négocier pour que ba biloko na ezali. Eza ba biloko nini? Bolanda bino moko comment le ministre explique situation oyo. Na kozo interview mususu nyoso tout est mais je veux prendre tout simplement ce qui illustre sujet na biso que ba voisins Nabiso, ils sont en train de nous malmener sur tous les plans. Wana foti anani zaka foti Nabiso moko. La Zambie ne peut pas commencer à nous baza ko menacer biso. Donc économiquement la Zambie se dit qu'il a beaucoup trop de poids sur le Congo.
Donc, nous sommes tous comme collés là. Or, c'est nous-mêmes qui sommes en train de causer cette situation. Tout le monde a nous, Julien Paluku, comme ça, tout le monde a expliqué. Et puis, nous allons continuer dans la place à Kosuke là. Oui, merci madame. Merci à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voudrais d'abord recadrer peut-être les débats pour que l'on sache exactement pourquoi les mesures ont été prises, parce que beaucoup de gens se disent est-ce qu'on s'est réveillé un matin et prendre les mesures. Non, il y a deux ou trois pratiques illicites qui sont devenues monnaie courante au niveau de la région, à travers les pays voisins. La première pratique, en fait, ça s'appelle dumping. Le dumping, c'est une pratique qui consiste en fait à vendre sur le territoire étranger au prix plus bas que le prix pratiqué dans son propre pays. Je donne un exemple. Une bière coûte en Angola ou en Zambie ou à Kigali ou à Kampala l'équivalent de 1000 francs. Mais lorsque le pays l'exporte vers nous, la RDC, il vient le faire payer ici à 500 francs. Ça fait que la population congolaise aura une préférence sur cette bière qui coûte 500 francs au lieu de la nôtre qui coûte, elle, 1000 francs. Cette pratique s'appelle dumping et elle est interdite par l'Organisation Mondiale du Commerce. Deuxième pratique, ce sont les transbordements et les fractionnements des marchandises. Tous les pays, qu'il s'agisse du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Zambie, de l'Angola, ils pratiquent ces choses-là. Ça veut dire que lorsque les opérateurs économiques amènent les conteneurs, par exemple de la Chine, de Dubaï, qui sont destinés à la RDC, quand ces conteneurs arrivent dans les pays voisins, on les ouvre. Et quand on les ouvre, les marchandises deviennent comme si c'était des marchandises qui sont de la Zambie, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya. Et ces marchandises entrent sur le territoire congolais sous le régime du trafic transfrontalier et ne payent pas des douanes. Alors la conséquence, c'est que les mêmes opérateurs économiques congolais qui, eux, ont respecté la douane, ils ont amené leurs conteneurs, ils ont payé la douane. Lorsqu'ils arrivent sur le marché congolais, ils fixent leur prix en fonction de toutes les dépenses qu'ils ont faites. Leurs marchandises deviennent plus chères que celles-là qui ont fait l'objet de transbordements dans les pays voisins. Ces pratiques-là ont fait l'objet d'une analyse au sein du gouvernement et c'est cela qui nous a motivés à prendre des mesures de restriction d'importation pour que nous nous rassurions que les produits qui feront l'objet d'échanges entre nous et les pays voisins sont réellement des produits made in ces pays-là, c'est-à-dire fabriqués dans ces pays-là, ayant la nationalité économique de ces pays-là. Ces produits-là ne posent pas de problème. Mais lorsque ce sont des produits fractionnés qui ont été dévalisés sur un territoire étranger et qui entrent maintenant chez nous comme des marchandises de ces pays voisins, la RDC a l'obligation de frapper fort parce que ça tue notre économie et ça nous prive énormément de ressources qui peuvent nous permettre de reconstruire les pays. Voilà plus ou moins l'environnement dans lequel les mesures ont été prises. Et c'est tout à fait normal pour chaque pays au monde de prendre ce genre de mesures lorsqu'ils constatent qu'il y a le dumping, le transbordement, le fractionnement des marchandises qui sont des pratiques interdites par l'Organisation Mondiale du Commerce. Alors, vous avez pris cette décision, vous avez donné les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, mais est-ce que vous avez analysé, vous avez pensé aux conséquences même de la décision? Bon, les conséquences, c'est simple. Nous avons des producteurs locaux, nous avons un tissu industriel qui commence plus ou moins à se réveiller petit à petit. Alors, au lieu que ces producteurs locaux soient encouragés, ils sont découragés effectivement par ce genre de pratiques. Et les enquêtes que nous avons menées montrent que la moyenne de la durée de vie d'une entreprise en RDC est située entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire, quelqu'un vient s'installer en RDC, en 3 ans il est obligé de fermer. Pourquoi? À cause de la concurrence. Et les gens préfèrent aller s'installer en Zambie, aller s'installer à Kigali, aller s'installer à Kampala, aller s'installer à Nairobi, aller s'installer à Dar es Salaam, parce qu'ils se disent, si on s'installe en RDC, comme tout le monde peut amener ses marchandises sans beaucoup de contrôle, eh bien je vais perdre. C'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à croire que les produits made in Congo sont plus chers que les produits qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas à cause de la taxation qui est très très solide en RDC, mais c'est à cause de ces pratiques de dumping, de transbordement et de fractionnement des marchandises qui viennent concurrencer les produits congolais. Et moi, comme ministre du Commerce extérieur, ayant
la régulation des importations et des exportations. Dans mes attributions, le gouvernement m'a chargé de prendre des mesures pour que je puisse sauvegarder la production nationale de manière à nous permettre de sauver les quelques emplois que nous avons, mais également de sauver plus ou moins notre économie de la menace qui pèse sur elle. Alors, monsieur le ministre, ne fallait-il pas commencer, par exemple, par inonder les marchés des produits qui sont interdits d'importation avant de prendre cette décision? Nous n'avons pas interdit aux produits d'entrer sur le sol congolais. Nous avons interdit les produits qui font l'objet de pratiques illicites. C'est-à-dire, lorsque vous amenez les produits à Kigali qui sont destinés au Rwanda, vous voulez les amener au Congo sans paiement de frais de douane parce que bénéficiant du régime de trafic frontalier. C'est tuer notre économie. Nous voudrions que les produits qui arrivent au Congo les soient par les procédures reconnues. C'est-à-dire, il y a l'embarquement à Dubaï, l'embarquement à Chine, destination finale RDC. Ces produits-là vont arriver et ne feront l'objet d'aucune interdiction. Mais lorsque les produits sont embarqués en Chine, sont embarqués à Dubaï, à destination de la RDC, mais finissent par Kampala, finissent par Lusaka, et c'est de là qu'on les sort dans les petites voitures, dans les petits véhicules, pour les amener comme des marchandises transfrontalières, c'est là le problème. C'est cette interdiction que nous avons faite pour que nous revenions aux fondamentaux du commerce international, parce que les règles de l'OMC sont telles que on ne peut pas autoriser que des pays voisins pratiquent ce genre de choses qui tuent pratiquement notre économie, parce que les gens nous considèrent comme simplement un marché, les gens nous considèrent comme un passoir, les gens pensent que en RDC c'est la danse, c'est la musique. On ne peut pas contrôler ce genre de situation, mais j'informe maintenant les gens que, comme ministre du commerce extérieur, je dois faire participer la RDC au commerce international, non pas comme observateur, mais comme acteur dans la définition des jeux de rôle que chacun doit jouer. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour promouvoir la production des produits locaux face aux produits qui viennent faire la concurrence pour parvenir à aboutir à la consommation locale? Voilà, monsieur le ministre. Oui, merci madame. Je pense que notre co-débatteur qui est dans le studio a clairement indiqué que le vice-premier ministre en charge du commerce extérieur est en train de prendre des mesures, notamment la réduction d'un grand nombre de taxes qui sont toxiques et qui empêchent effectivement que nos produits deviennent compétitifs. Deuxième chose, nous avons au niveau de la commission ECOFIN la mission d'identifier les grands opérateurs économiques qui vont bénéficier des subventions du gouvernement dans le domaine de l'agriculture. Subvention, ça veut dire on ne leur donne pas l'argent comme tel, mais on subventionne l'activité agricole pour que celui qui s'y investit ne paye aucun impôt, ne paye aucune taxe, et le gouvernement gagne par le nombre d'emplois que cela crée. Je rappelle que chaque hectare cultivé donne au moins 3 emplois. Donc si nous cultivons 100 000 hectares, nous sommes à 300 000 emplois. Si nous cultivons 1 million d'hectares, nous avons 3 millions d'emplois. Or, vous le savez, le président de la République a dit qu'il veut créer 6 millions d'emplois dans les 5 ans. Donc le secteur pourvoyeur d'emplois par excellence, c'est l'agriculture. Thank you.
Voilà, Bandeko. Moni scandale oyo ezaliko. Moi, ça m'a scandalisé lorsque j'ai entendu ça. Ba Congolais belé bozo ti attention na ngote. Vous ne faites pas beaucoup attention à cette histoire. Mais c'est ça qui est la profondeur de ce qui. Ça signifie comment? Ça montre quel degré le Congo est à la merci de ses voisins. Mikolo nyonso awa to ganga katolobi non. Pourquoi est-ce que nous sommes en guerre avec le Rwanda, mais nous n'arrivons pas à fermer les frontières avec le Rwanda? C'est nous-mêmes les Congolais qui profitons de cette ouverture de la frontière Rwanda pour tout ça, pour continuer comme ça là-bas, fraude. Le Congo, finalement, c'est un marché où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Moutounion, surtout, surtout, ma pays voisin, comme le ministre venait de le citer là-bas. Ma pays, n'abiso, yoki, comment est-ce que notre économie est tergiversée comme. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ba douanier, baza, coopérer, na ba congolais, msousou, ba ke, ça, la babilo, ke, belé, na ba. Ba importateur na biso bango mutu bazako tirer biso na nani. Donc nous sommes tous à baloter de gauche à droite. Nous ne pouvons pas contrôler notre économie. C'est ainsi que babiloko auto importaka ça ne rapporte absolument rien ou des miettes à notre gouvernement, à notre état congolais. Et rapportaka l'autre côté selon le ministre. Le ministre parle de 10 milliards. Il y a bambongo oyo biso moko tozo koka ko maîtriser biso commerce te. Nous ne parvenons pas. Je parlais tantôt ici à Mamakambo ya nani ya batuo ba greco ba bande ko epa na biso. Moi je peux vous dire que makambunyo surtout et ça les makanale na est. Moi j'ai même posé la question de savoir quel est l'apport de tous ces apports d'entrée? Bakassine du côté kuna mbongwane sala kamusala nini. Et on vous dira qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand vous arrivez aux frontières, vous trouvez des camions et des camions, des conteneurs et tous beaucoup donc une activité intense. Mais mbongwane kesuka kawapi. Mbongwane kota kana kese nini. Pour que nous ne puissions pas être à même de construire nos routes, de construire même des infrastructures pour l'État. Qui s'enrichissent de cet argent-là? C'est ça la grande question que nous nous posons en disant, mais finalement, Tozo Souka Wapi Bandeko, où est-ce que nous allons? Tozo Kende Wapi? Est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter pour nous analyser la situation en disant, qu'est-ce qui fait à ce que les Congolais ont commis des fraudes rebelles? Les Tanzaniens en profitent, les Rwandais en profitent, l'Ouganda en profite, le Centrafrique en profite, tous nos 9 voisins, en connivence avec qui? Avec le Congolais. C'est-à-dire que l'État congolais ne maîtrise pas son peuple, son patrimoine interne. C'est ça qui fait que mutuna mutuna ou ko créer libanais ye koto le lo azana mwa mbongo i bané twe ke formel ba lobi ba marchandise ko bando komela wapi na zambi bolongo lango e komi ko kota na ba camion mike mike qui perd douane futa makate ou le peu que la douane peut recevoir ezo kota pe na ba poche ya batu ezo ke ne Kinshasa kuna toye bakate. Et ça musala nini ngo ba mbongo ba douane wana salak nous n'en savons absolument rien. Voilà, mes chers amis, donc, là où nous sommes en train de nous embourber sans connaître plutôt Tozo Kende Wapi. On ne sait pas. C'est ainsi que nous sommes dit ceci. Nous ne devrons pas traîner. Togo yuko traîner te na makambu oyo. Solution Zaka Kamoko, Bandeko. Dans la façon dont nous avions fait notre constitution ici à Sun City, en allant vers le fédéralisme, en allant vers la décentralisation, et à la décentralisation économique aussi. Il faut que le peuple, à la base, puisse être en contrôle de tout. Wanande tokosal tokoyeba. Place wanande tokoyeba na mbongo combien zokota, mbongo na ezo salanini. Et c'est ainsi que nous pouvons propulser même le marché interne. Il y a Koloba, bon, ok. Batu Oba Salaka Mungwa, par exemple, dans le territoire Nabiso. Qui sont les gens qui peuvent être capables de
produire du savon. Donc, promouvoir le savon, on a parce que nous pouvons fermer nos importations et puis nous pouvons être capables de contrôler. L'essentiel ici, qui nous a tués et qui nous fait mal ici, c'est le fait que le Congo ne peut pas être capable de fermer ses frontières et dire que Toko se contenter de la production interne. Parce que la production interne n'existe pas. Moi, je vis un fait en 94 où M. Kotecha qui acheta Brenani sucrerie à Kiliba pour aller le fermer afin d'importer sucre, ce qui n'a pas pu, ce qui n'a pas pu, à ce relais. Et puis, il disait ça à la radio, que non, importation à sucre est moins cher que produire le sucre sur place. Il préfère importer. Or, lorsque vous ne produisez pas sur place, c'est-à-dire que Moussa les a tés. Imagine-toi, batoyo bazo produire bière, par exemple, na Lubumbashi kuna na Katanga. Si ce n'était que la bière de Tembo et de Simba qui était consommée, cette entreprise-là pouvait booster l'économie en Mboka. Nambongo oyaza kopesa, mais bazako ils sont concurrencés par babiere za ko uta libanda tout ça, et puis l'état congolais n'est pas en mesure à contrôler ba entrée wana. Or la Zambie, c'est Zambie yebi combien ils tirent du Congo parce que bazako maîtriser ba commerçant na bango. La même chose lorsque l'Ouganda a soit qui initiative ya ko bongisa nani ya kotonga balabala na kati ya Congo, c'est-à-dire qu'ils savaient le pourquoi. Donc eza biso moko awande mtu toza na problème. C'est ainsi que nous nous sommes dit. La seule solution qui nous reste bande konangai ezali rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que ba entité de base eza la mesure ya ko contrôler ba tout na bango, ya koyeba eloko nini ngo sale makana na nani na mabele na bango pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que nous avons besoin de l'extérieur. Est-ce que nous pouvons fermer nos frontières et que nous allons rester capables de nous tenir nous-mêmes? Bisomoko to se suffire, bisomoko. Ce qui to importe ka mungwa te, tozo produire mungwa sur place. Et la production à mungwa, ezwaka ba misala combien? Il ça peut aider combien? C'est comme ça que l'État peut aider les gens. Moi, à un certain moment à Butembo, nous avions vu des jeunes gens, même des coopératives, commencer à produire du savon. Ata l'otoko ba lobaka l'otoko, ou alcool. C'est une industrie que si nous pouvons l'industrialiser, et qu'on peut produire biso et nous empêcher d'importer ces histoires-là ailleurs. Tous ces liqueurs-là qui entrent dans la frontière à Ouganda, kuna, et ça qu'on fait fleurir toutes ces petites entreprises de l'Ouganda, va trouver marché de panabiso. C'est ça le grand problème que nous avons. Et ainsi donc, moi, en tout cas, pour ne pas être long dans cette émission, parce que nous sommes venus justement compléter le ministre Julien Paluku, qui a évoqué un problème qui est réel. Ce problème-là est réel et que le Congo en souffrira encore tant que nous ne pourrons pas avoir des politiques économiques décentes autocomètres mettre en place en Kolobakeno. Les entités de base qui sont là, l'administrateur des territoires, vous pouvez aller poser la question à... Lorsqu'on arrivera à ce niveau-là, je suis en train de dire que bon, comme il n'est pas administrateur des territoires, à ABC, ok, non, ici nous avons besoin, par exemple, par mois, de 300 tonnes à sucre. Nous avons besoin d'autant de savon. Nous avons besoin... Toyebiko contrôler et que nous pouvons nous dire, ok, nous allons propulser maintenant les investisseurs sur place afin que... Dans 2 ans ou bien dans 6 mois, tant que tu es capable de produire biso babilo kwa boy. Et puis y mettre. Parce que ce qui est unité à production et qu'on crée misala, nous allons encourager la production interne. Et la production interne, ça va nous créer autant d'emplois dans notre territoire. Ainsi donc, nous pouvons aller dans ce sens-là. Tant que tu es comme à niveau anaté, le pays voisin va commencer toujours à nous. À nous maintenir dans cette situation. Et moi, je suis sidéré à voir que notre ministre a failli à cela. C'était le moment de se dire que, niette, nous, vous fermez la frontière, oui. Ok, on va maintenir cette histoire-là pour que toi incites ma producteur interne, ma Congolais ou ma Lingui, qu'on produise ma biloko interne, que nous sommes de bandes sous la libandate, et ça là. Nous n'avons pas montré une certaine fermeté. Toko mikuna ba menacé biso balobi ya bomoni. C'est nous-mêmes d'ailleurs les Congolais.
Ezaka Kabiso Moko. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un État qui peut assurer la sécurité de nos biens. Mais gestion, y a l'État a géré Biso Malamouté. C'est ainsi que les Congolais cherchent d'autres moyens. Bango Moko on a mutubake kuna babi bon ok bon kanga frontière nan. Togota la soki mni bunga ekotate soki masango ekotite ba peuple congolais komi kolela et komi problème. C'est la même chose avec la frontière avec le Rwanda. C'est nous-mêmes les Congolais qui savons pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas fermer cette frontière là. En tout cas, ça c'est un sujet qui est ouvert. Natiki yango kaka boye mais nalinga qui n'a apporté quand même ce que je pense et que na banzi que rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Tant que ba entité na biso ko zala en contrôle te yakoyeba nini yango ba consommaka. Qu'est-ce que nous pouvons produire sur place qui peut nous empêcher à ne pas dépendre de l'extérieur? Et comment encourager ba congolais ba produire sur place et encourager ces congolais là pour émulsion ya économie na biso en interne. Et la rétrocession du pouvoir ekoki ko zala clé moko o ekofungore la biso ndenge nini toki ko résoudre ce problème wana. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'étais content encore, j'apprécie encore tous ceux qui sont en train de me suivre et tous ceux qui sont encore, se sont encore abonnés. Je vis en tout cas 80 personnes qui se sont abonnées sur notre chaîne au courant du mois de juillet. Et ce mois ici, déjà, nous sommes à peu près à 50 personnes. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour que nous puissions atteindre ne fût-ce qu'encore tous à la Natana. Na moi, consistance, moko ke batubaza ko s'abonner pendant un certain moment, tokoko ma bien et okoma media, ya peuple, oyo toza ko réfléchir, pona ko fungola bino mayele, pona ko fungola, pona ko pesa idée à sika, ya ko construire mboka na biso. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.